Coucou tout le monde qui m'emmène ici, nous sommes de retour sur Vampire. Allez, on va manger, on va. Je vais peut-être pas dire ça. Oupsi. Ok, bon. Je devais faire quoi encore? Suivre la piste, oui, exact. Et c'était en faisant elle qu'on peut suivre la piste. Là, je peux pas descendre. Keep out, non? Oui, c'était en bas. Et comme je dis, mon tout premier gameplay qui était complètement foiré, j'ai dû. That's strange. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant. Je dois tout recommencer le jeu parce que c'était comme le son. Le jeu a complètement bugué en fait. C'était un genre de craquement comme ça, c'était horrible. Un peu comme ma voix en ce moment. Vu que j'ai pas une voix suffisante, sexy ou quoi, qu'est-ce comment pour une femme qui n'aura pas d'avenir sur YouTube. Bon, on va parler à qui d'abord? Bah, le barman, hein. Yo, toi. Oh, God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not. Not Il a pas soif, mon œil, oui. Grab a chair and get some rest. This is gonna be another long night. Quel est cet endroit? Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the turquoise turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Ouais, quartier pourri, ça peut donner aussi. Ok. Ouvert toute la nuit? So you're open all night. Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Ouvert toute la nuit. Ah, que les gens ont un endroit de se reposer pendant ces nuits sombres. Mon œil, oui. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. Là, il sort jamais, le mec. Gag. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Je viens de trouver un cadavre. À propos de ces meurtres. Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Who is this man? What does he look like? Like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. D'accord, alors c'est un professeur qu'on doit chercher, d'accord. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, sir, yes? No funny business. You hear me? This is a respectable establishment. J'adore. Pas des trucs drôles, des trucs ce qu'il faut pas faire à l'époque, parce que c'est un endroit respectable. Vous savez que vous avez du sang par terre, messieurs. C'est pas vraiment un endroit respectable, hein. Regardez, il y a du sang partout. Bon, allez voir le bonhomme. Oh, bah, yes. Oh. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word
Anyone? Je crois qu'il a eu mal. D'accord, ok. Détail inconnu, ok. Bah, apparemment, je suis un vampire, mais tout le monde le sait, sauf moi. Je sais pas. I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Really? Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Something, someone is molesting people. In fact, killing them. Molesting? Them. No, stay. The calling card of a vampire. Ouais, j'ai rien à dire. Je peux pas... Je me dis que des fois les traductions sont assez gags. Mais ce que je trouve le plus grec dans ce jeu, c'est qu'au début, tout le monde sait ce que je suis. Hein, le personnage que je joue. Sauf lui. Hey, really? Vous semblez être un expert. J'ai mes secrets, comme vous avez vos. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Ah, en fait, tu es Giles dans Buffy contre les vampires, quoi. T'es le bibliothécaire. Désolé. Par contre, c'est que je suis curieuse de savoir c'est quoi cette confrérie, en fait. And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Really? Attends, c'est toi qui m'amenaces avec une croix et tu oses même pas me dire qui tu es? Qu'est-ce que c'est? Au quoi? Au qu'est-ce? Au comment? What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. D'accord. Et ce qui en réalité, ce qui me tue, c'est que dans aucune de ces questions que mon perso demande, comment est-ce qu'il sait que je suis un vampire? En sachant que moi, je le sais même pas moi-même. Quand on entend le perso avec ses questions et pensées et tout ça. Really? Oh, come on. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Oh, come on. Oh. J'ai envie de m'investir dans ce jeu, mais je suis désolé. Tu sais que c'est un vampire. Tu sais très bien qu'il peut écouter à travers les portes et machin et prol. Viens pas lui dire que je sais pas de quoi vous parlez quand tu parlais à une femme, quoi. Allez, non. Oh. Help me find the culprit. Really? I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Je ne suis pas sûr. Ouais, j'ai remarqué ça. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this. Yeah. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Bah de le tuer. Hein? Vous croisez ma route? Je crois pas, non. J'ai pas envie de le revoir, le Giles.
Bah attends, mais c'est... Vous devez être d'accord avec moi. Lui, il sait que je suis un vampire. Apparemment, moi, je suis pas au courant. Il sait très bien que je peux entendre à travers les murs. Et il a encore le blip de me dire que non, je sais pas de quoi tu parles. Pauvre Jack, il mérite pas. C'est quoi ça? Tiens, je vais te voler. Tiens, je te vole. Devant ton nez. Mouah. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Oh, chuch, toi. Good evening, sir. I wondered if I could ask you if you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. T'as oublié de boutonner ta chemise, toi, hein. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous see? This is important. Ah, d'accord, ok. Are you sure no one has come in here in the last few hours? Il vient non. I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? C'est un truc que je sais, en ton ancienne bar, mais tu n'embêtes pas les gens qui sont un peu bourrés. Like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Chien d'égout. Who is this sewer dog? It's a local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone. Blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own dark. Ça c'est vrai. We can all be monsters. C'est plus facile de croire à une légende que croire que quelqu'un peut le faire en fait. Ok bah ciao. I'll leave you to your bottle, then. Bon, elle est où la femme là-bas? N'empêche, les détails sont quand même pas mal. Ça je dois avouer pour un petit pour un indie game. Mais c'est vrai que pour le prix j'aurais. J'attendais à des graphismes comme ça. Pour le prix, oui. Par contre, vis-à-vis des dialogues, c'est pas encore ça. Hein. Et en quoi me sert ce chargement? Je sais plus quel jeu j'avais ça. J'avais pas encore ma chaîne YouTube. J'avais pas encore YouTube. J'avais une chaîne où c'était toujours des chargements, le moindre truc, quoi. Chargement en quoi? Je ne suis pas en ligne. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions. Well, if you must. Ok, je vais quand même pas déjà l'agresser. Je sais où je suis. Qu'est-ce qui se passe? Je veux juste vous parler. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. Attends, attends. Pourquoi il me dit? Pourquoi il vient de dire désolé de vous faire peur? Je voulais pas vous faire peur. J'ai juste posé une question. Je veux juste... Mais elle a même pas été agressée. Ben, ouais. Il y a une ordre dans lequel je dois poser ces questions, en fait. What is this place? This is Tom's bar, a turquoise turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. Un endroit sûr pour rester, c'est ça, c'est un barman, hein, il est pas bête, hein. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic. Tu viens de lui poser cette question. Ouais. What have you heard about the epidemic? It's a Spanish flu. La grippe espagnole. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. Ah, en fait, nous sommes dans la division. Désolé.
Oh gosh. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning, drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now I want the truth. Mais on sait rien. What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier. Elle parlait de Jack tantôt. Well, I thought he was gonna clock someone. Ouais, tu sais quoi, hop. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Oh! Ça, j'ai pas eu sur mon autre gameplay. Ah, indice. Par contre, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Ok, quand je lui pose soi-disant la question essentielle qui devait être un peu agressive, il parle calmement. Elle répond. Quand je lui pose une bête, une simple bête question, il pose sa question agressivement et... Ouais. Ouais. Désolé pour la coupure. Café! J'ai pas eu mon café! Ok, bon, on va faire ça, indice alors. Ok, cool. Bon, ça c'est bon à savoir, ça. Petit truc en plus. Détails sur les citoyens. En tant que vous pouvez voir un genre de besoin de sang. Humain. Mm-hmm. Détails. Ah, d'accord. Qualité du sang. Bof. En bonne santé, d'accord. D'accord, ok. Wow. Ah. Fragile. Qualité de sang perdue. Ah, bah oui, il fait l'amour avec une bouteille, c'est logique. Hein. Niveau de charme. Il y a un niveau de charme. Ok. C'est un vrai RPG, quoi. Mais tant qu'un vampire. Find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Like, really? Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Il a quand même pas demandé pourquoi il m'a menti. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer and that's the truth. Ouais. Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. Hmm. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Est-il dangereux? Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. Ouais. Pas des informations intéressantes. Où est-ce que je peux le trouver? I need to find him. It's a matter of urgency. Try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes.
William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Non, je vais rien lui dire, c'est pas moi de le dire. Bon, on va aller sur le bateau. Sur un bateau. Ok. Mais j'aime bien le fait que ça... Ah. Ben, je suis désolé, si moi j'ai les pouvoirs de vampire, moi je vais pas commencer à aller faire une enquête de savoir qui m'a rendu vampire. Hein. Oh. Je fais la fête, moi. Ouais, ils ont fait les bruits sonores. Ben, je crois que c'est lui. Ah, ça vient d'arriver, ok. Vêtements. Tried to defend himself. Mm-hmm. Mm-hmm. What's this? Some sort of note. Okay. Ah, Horde. Hmm. Blessure. This corpse has been dried of its blood. Mais tu viens de le dire. Tu viens de le dire en examinant ses vêtements. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Qu'est-ce que le sang et le gin à voir là-dedans? There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Ah oui, il y en a par là, oui. Pardon, ok, bon. Et wouch! Ah, j'adore. On va quand même vérifier un peu par là. On peut casser quelque chose? Non. Stable. Qu'est-ce qu'il veut dire par stable? Qu'est-ce qui est stable? Ah! Chasseur? Oh, il y a des chasseurs. Ok, ok, ok. Hors combat, silencieuse, attaque furtive. Ah! Si, ok. Ok. Je fais A. Ah oui, ça c'est un tac furtif. Ouais. Très furtif. Vraiment. Ouais, excellent. Là j'ai quoi? Balle, balle, mais je suis en vampire, qu'est-ce que j'ai besoin de balle, moi? Équipez-vous d'une arme à distance et puis pour l'utiliser, infliger des dégâts standards. Et dégâts interdissants, n'oubliez pas que vos munitions sont illimitées, comme, oui. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. Pourquoi là, t'es un vampire? I feel like I'm back on the front line again. Y'a pas moyen de m'abaisser? Ah, voilà, appuyer. Ah, mais non, c'est pas ça. Ah, c'était ça, cette bêtise. D'accord, certains ennemis sont plus résistants que certains types de dégâts. Il existe 4 types de résistance. Physique, corps à corps, distance, pouvoir sans, ténèbres. Apparemment, il n'est pas ténèbres ni sans. D'accord. L'orange indique la résistance moyenne, rouge indique forte résistance. Ok. Pour continuer. Et toi, t'es quoi? T'es un bébé. Niveau. Oh! Chut, chut, chut. Blablabla. T'as dit, il y a les yeux comme un cadavre. Parle-moi de monter là. J'aurais voulu savoir m'abaisser, quoi, tu vois, ou me rendre invisible. Je suis un vampire, quoi. Ah ah ah! En fait, je n'étais pas... Ah oui, j'étais occupé en train de suivre les traces des sangs, moi, pas faire autre chose, en fait. Oupsie!
Il y en a combien? Je viens d'entendre un coup de feu là. C'est vrai qu'il est très discret sur ses pieds hein, pour un vampire, franchement. Bam, 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 bam. Oui, je parle anglais alors. C'est pas parce que je suis que sais, je sais pas parler en anglais, hein. Pouh. Ah, il y a quelque chose là, ça se voit. Ok, un piou piou. Est-ce que je peux monter là-dessus? Ça, ça réchauffe ça. Ouais, mais je sais pas faire l'attaque. Ah, lui, il a une arme. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ah, il me voit! Ah, il me voit! Bon, si je suis humain, techniquement. Ah, t'as pas aimé ça, hein? Ah oui, t'arrives à me... T'arrives à me voir à travers des caisses, toi? Vraiment? Il a réussi à me voir à travers tout ça, quoi. Pareil que moi, je fais ça, j'aurai rien. Du shillings, c'est des pièces. Ah, ah, il y a quelque chose là. Nous, j'ai collecté, d'accord. Je suis toujours occupé en train de suivre les traces des sangs, moi. Oh! D'accord, bah il y a encore un. Cool. Ouais, je vais quand même le faire. Oh, il y a un cadavre. Bonjour! Ok. Si, ce genre de trou... Ouais, bon. Mon coffre. Ah oui, j'ai rien mis dans le coffre. Bon, on va voir si je peux améliorer quelque chose. Ça m'aiderait quand même. Défense. Vous infligez un sang à level en proie de sang défense, si c'est quoi? Bouclier de sang. Vous créez une barrière invisible qui absorbe les dégâts directement. Ah! Est-ce que je peux le débloquer? Non, il faut 600. Ah! Zut! Ah! Je pourrais pas faire défense? Morsure. Qu'est-ce qui est intéressant là? Ça, tu sais quoi? Augmenter la qualité des dégâts infligés lorsque vous utilisez morsure en combat. Sang, ça c'est quoi ça? Augmenter. Ah, oui. Office. Confirmé. C'est ça que j'aime bien, c'est le côté confirmé là. Ça c'est génial. Ah, parce que des fois dans les autres RPG, tu ne. Quand tu fais ton point. Par exemple, par accident, ça a déjà arrivé, hein, de toucher, je sais pas moi, une compétence par accident, et tu dis, non, j'avais pas envie, machin, et brol, c'était pas cette voie-là que je voulais prendre, et... Boum, tu l'as, quoi, et tu dois attendre pour ton prochain level-up pour faire celui-là que tu veux, et celui-ci, c'est pour ça, c'est pas mal, quoi, il y a quelqu'un, là. Ah bah, quoi, il voit d'ici. Oh, cool. Nya. Am, yam, 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 yam. Râle pas. Dis-toi que c'est un steak américain. Américain frite. Bah, tu veux bien me le choper, t'es un vampire. Allez, plus vite. Ah, il respawn. Les ennemis respawn. Stable. Attends, si ça c'est stable, qu'est-ce que c'est pas stable? Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Ouais, alors trop de sang te fait tourner la tête. Ok. Oh, c'est quoi ça?
Arme à main. Arme à deux. Ah! Équipez-vous d'une arme à deux mains et appuyez sur Y. Utilisez les compétences spéciales. Exemple, le faux permet de parer des attaques d'une tout en infligeant des dégâts. Détournissement, si vous utilisez au bon moment. Oh gosh, je dois utiliser. Mais il est où mon arme alors? Non. Comment je fais pour changer l'arme? Oh! 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 Non. Aucune enquête. Ah! Ah! Ah bah, je sais pas. Ok, bon. Pas grave. This place reeks of bloodshed. Non, c'est vrai? Ça sent le sang? T'as pas vu les cadavres? Tu savais même pas dire ça en regardant juste les cadavres autour de toi? Il y a des bougies partout, c'est horrible. Ah, c'est William Bishop. Ah, on fait notre première boss ou quoi? Tu te crois de quoi, malin toi? C'est tout? C'est tout? Tu es l'inspecteur? Il veut pas? Ah, je savais pas qu'il y avait un cadavre, quelqu'un là. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my... Derrière toi. T'es qui toi? Remember, certain scales are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by scale? C'est quoi ça? You truly are a new... Bah oui, je suis nouveau. Tu should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Mais non, tu m'as pas aidé. Crois vraiment que c'est ça? Moi, je le savais très bien qu'il fallait prendre un morceau de bois et... Dans le cœur. Je suis les années de Buffy, moi, contre les vampires. Hein. Mais moi, je le sais. Giles. T'as l'aise, toi. Bah à partir d'ici, je connais absolument rien. Je savais pas pour le boss ni rien, Laurent. Non, c'est vrai, il a besoin d'aide médicale. William. I'll be a step closer to understanding what happened to me. Bah, il y a moyen de terminer ce jeu vite fait, bien fait. On va trouver la femme, on lui en pose les questions qu'il faut, et voilà. Non, je rigole. Bah, comme je dis, je sais qu'il y a plusieurs fins à ce jeu, alors. Hein. This poor creature can't be my maker. Bah non! Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Ok. Oh. Tu vois qu'on se trouve pas dans Fallout là. Allez, on y va. On va faire un tour en bateau. Et la preuve que... Voilà, c'est pour ça que je laisse la preuve que je n'ai pas encore continué le jeu. Et j'ai pas joué le jeu. Voilà. Et je fais quoi moi? Rien.
are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. Prendre mes médicaments en même temps. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? No, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you were a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back. But I will tell you, she values her privacy. D'accord. Okay. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you are. Bateau n'est pas un peu moderne pour l'époque. I'm the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed. A surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvel. Ouais, d'accord, ok. Have we met? Tout le monde me connaît, mais moi je connais personne. Seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth. But when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. Quoi, tu t'arrêtes, toi? There's so much for you to learn. Of that, you are right. Quoi, tu t'arrêtes? Y'a un feu? Y'a un stop? Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. Right. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed. Take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. Ah, je suis preneuse. So, what do you say? Oui. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant. Oh, Jonathan. T'as arrêté le bateau juste pour me dire ça en sachant qu'il y a un prêtre qui est en train de crever là. Ok, on est médecin, ça j'avais compris avec l'histoire des guerres. Il sait toujours pas qui c'est. Mais je crois que maintenant il commence à comprendre que c'est un vampire. Tout le monde sait qu'il est un vampire. Et Monsieur Giles décide à l'engager en tant que machin brôle de sang. Je connais pas le terme exact parce que j'ai jamais fait de médecine de ma vie. Et il a décidé de s'arrêter pour papoter, pour l'engager dans son équipe à l'hôpital avec un prêtre qui est en train de crever. Ouais. Décision très sage. Dr. Swansea, thank goodness, I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost two more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rotor in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Ah ouais. Ah, elle est forte. Dorothy. Yes. Franchement. Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor.
Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship is in sync. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. C'est normal, le mec est en train de crever, t'as resté ça, plus de 5 minutes en train de papoter pour essayer d'engager le mec en dessous d'un pont. Come on! Ah, cool, l'hôpital est vide. Ah, l'hôpital est vide, ok. Pardon. On dit d'aller à l'hôpital. Oh, c'est quoi ça? Come on, you bastard! I won't bite! Sir, please! You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you ass! Je vous laisse vous vider votre sang, restez poli. Bah, reste poli, fieu-que! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. Alright, alright, sorry. Spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I was... I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Qualité de sang, lequel... Ouais, mais ça j'avais déjà compris, le qualité de sang, hein. Charme, enfin de boire le sang d'une proie, un charme, nanana, appuyé. Ok. Ténèbres, suivez les pistes, suivez la piste rouge, et maintenant on va dans les ombres, mais si j'ai pas... J'ai pas envie. Ah bah, je vais quand même le tuer apparemment. Relâcher. Ok, appuyez sur A pour atteindre. Ah oui, pour le relâcher. Fait gagner l'expérience, mais en conséquence, je suis dans l'aventure. Et approche. Je le relâche, moi. No more. Not tonight. Not oh, today. Quoi, j'ai un succès. I will not take another life. Ah, c'est vrai qu'il a l'air en train de crever, le mec. Hein. Oh, c'est quoi, un coffre? oh, waouh, un ressort. Je vais pas... Wow! Ah, j'ai faim, d'accord. Bah, y a pas des rats. Elle va tuer un... Le mec, quand même. Je peux faire manger des rats, moi. Y a pas quelqu'un qui est en train de mourir directement, comme ça je peux les manger, non? Ah, cinématique. Members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office.
You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. C'est légèrement un accent irlandais très mal fait. J'ai quelques questions. I would like to ask a few questions first. Comment se porte, oui. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he Comment va le prêtre? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. OK. What kind of man is Dr. Swansea? Va parler avec le Giles. Je l'appelle Giles. I thought you would have known about your employer. Je viens justement de le raconter, Mathieu. I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Wow, tes informations sont très utiles là-dessus. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Ouais, blablabla, rien d'intéressant. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital. Deuxième étage. Just after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Ok, je vais pas me rappeler ça, mais c'est pas grave. Bon, on va aller au bureau. Je sais que c'est à l'étage, gauche, dernière porte à fond. C'est ça? Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Ok. Gauche, en haut. Ah bah, ça s'indique en plus. Madame, tes informations sont faux! Attends, en quoi ça c'est le deuxième étage? Attends un peu là. En quoi ça c'est le deuxième étage? Ça c'est une première étage. Oh, ils appellent ça un étage ça. Ça c'est une première étage, ça c'est le deuxième étage. C'est quoi cette... Ok, là il dit premier étage. Elle m'a bien dit deuxième étage, non? This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Vraiment, ta blague à deux balles? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Analyser. Ah oui, ça c'est le truc avec les armes. Analyser. Oui, je sais analyser, mais je voulais voir. Ok. Bon, on va analyser le son. Oh! Ah, mais, ah, corps à corps. Ah ben... Ah... Ouais. Cool, vous pouvez allumer votre arme au niveau supérieur. Ouais, c'est vraiment un RPG, quoi. Ça? Ah, et ben il me faut tout ça, en fait. D'accord, ok. Ah. Cool. Ah. More unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. Ah oui, mes défenses. I have so much time. Ça que je voulais faire. J'ai assez? 600, ouais.
confirmé. Oh yeah, baby. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. Ok, bah sur ce. Ok, sur ce, je vous dis bisous.